Bonjour et bienvenue de ma cuisine. Je m'appelle Pearl et aujourd'hui, j'ai préparé une petite journée favorite dans ma famille. Crepes avec la sauce de pomme. Mes ingrédients pour les crepes sont une crudité de sucre, une demi-crudité de salé, une crudité de levure, une crudité de vanille, une tasse de ferrer, une tasse de lait et un œuf. D'abord, j'ai versé le ferrer, le sucre, le salé et le levure dans un bol et mélangé. Après ça, j'ai coupé les œufs dans un autre petit bol. Je vais battre l'œuf. Ensuite, j'ai versé le lait et la vanille dans le bol avec l'œuf et mélangé. Enfin, j'ai versé le bol avec le liquide dans le bol avec le ferrer et mélangé. Pour préparer les crêpes, j'ai utilisé un grand poêle, une serviette de papier et deux cuillerées de huilet. D'abord, j'ai versé le huilet sur la serviette de papier et étalé le huilet sur le poêle. Après ça, j'ai chaleuré le pain, le poêle. J'ai utilisé une petite quantité de pâté et j'ai versé le pâté sur le poêle et étalé le pâté. Après, j'ai regardé les petites bubbles dans le crêpe, je fais sauter le crêpe. Après, l'autre jambe propelle. Frié, je mets le crêpe sur l'assiette. Les ingrédients pour la sauce de pomme, c'est 2 pommes, 15 cuillerées de sucre et une cuillerée de cannelle. D'abord, j'ai épluché les pommes. Après ça, j'ai coupé les pommes. J'ai coupé les pommes dans les petits morceaux. Aujourd'hui, mon petit frère assiste-moi avec la sauce de pommes. Après, j'ai épluché et couper les pommes, mon petit frère versait les pommes dans la casserole. Après ça, mon petit frère versait le sucre dans la casserole avec les pommes. Ensuite, mon petit frère saupoudrait la cannelle dans la casserole avec les pommes et le sucre. Après ça, mon petit frère mélangeait les pommes et le sucre et la cannelle. Et après ça, j'ai mijoté les pommes pour 15 minutes. Après 15 ou 20 minutes, la sauce est finie. Pour finir la recette, j'ai étalé le sucre de pomme sur la crêpe et mon petit frère, j'ai mangé.